Ah, alors, est-ce que vous savez ce que c'est que ce truc là? Boîte. C'est quoi? C'est une boîte, tout à fait, une belle boîte avec marqué attention là. On suppose que c'est des mauvaises bêtes quoi. Il peut y avoir des bêtes étranges. Eh oui, c'est la terrible boîte du Cap ou pas? Est-ce qu'il y a des bêtes que vous n'aimez pas vous? Oui. Oui. Lesquelles? Les araignées. Ah, vous n'aimez pas les araignées? Les blattes, les serpents. Ah ouais. Les blattes, les serpents aussi. Ah, les serpents, c'est pas terrible. Les scorpions. Mais quel genre de serpents? Les gros serpents? Oui, les petits. Gros. Ah, les gros, hein? Ouais. Ça vous fait peur, ça? Ouais. Et vous, Léa Labib? Les serpents. Pareil, les serpents araignées. Les serpents et les araignées. Mais quel genre de serpents? Les serpents plutôt colorés? Les gros. Ah ouais, les. Peu importe pour moi, les serpents. Dès que vous en voyez un, ça vous rend dingue. Bah écoutez, j'espère qu'il n'y aura pas de serpents dans cette boîte. Pour relever le défi du cap ou pas cap, je vais vous poser une question. Une question mathématique. Très, très difficile. Niveau CP. Enfin, CE1. 82 plus 8 fois 2 égale 240 ou 180. 180. 180. Vous êtes sûr de vous? Fait. Vous êtes des experts en mathématiques? Oui. Bonne réponse. Eh bien, venez prendre place derrière la boîte. La boîte qui réserve des surprises. J'espère pour vous qu'il n'y aura pas de serpent puisque vous êtes terrifiés par les serpents. Il y a un dé sur cette boîte. Il va falloir lancer le dé pour déterminer le nombre de personnes qui vont devoir faire et réaliser correctement le défi. Vas-y. 500 points en jeu, un bel avantage pour la partie. Et ce sont les trois. Ça va Mohamed? Très bien. C'est bizarre, je vous ai déjà entendu grogner. Vous grogniez? Ah mais on va prendre courage, on va le faire. Hein. Oui, vous faites. Allez, ouvrez la boîte pour découvrir votre défi. Oh mince! Des serpents! Oh non mais ça tombe mal hein! Des énormes serpents! Votre défi, attraper ces balles de ping-pong avec la bouche. Et tous les trois, vous devez le faire, chacun votre tour. Une balle par personne. Alors concertez-vous, vous avez 10 secondes. Vas-y, Bouda. Vas-y, commence. Vas-y, après papa c'est toi, après c'est moi. Concertez-vous pour savoir si c'est jouable. Vous pouvez. C'est moi après. Après, Jibril, toi, moi. Vous pouvez refuser. Oh là là. C'est bon. Alors, Léa Labib, cap ou pas cap? Cap. Oh, popo. Oh. Alors qu'ils sont terrifiés par les serpents, chacun leur tour, ils vont essayer de récupérer ces balles. On commence avec Jibril. Jibril, vas-y. Fan de foot depuis 5 ans. Et c'est bon. Au tour de Sarah. T'as pas peur, tu le fais. Ils vont pas bouger les serpents. Sarah qui fait du twirling bâton, vas-y. Oh là là, oh là là. Et oui. Facile pour Jibril et Sarah. Mohamed, terrifié par les serpents. Mohamed qui déteste ces serpents. Attention, ils peuvent se jeter sur vous, vous le savez. C'est qu'ils le feront pas, mais ça me fait quand même peur. Ah là 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 là, bien joué. Jibril, bien joué. Ah bah restez avec moi. Hey, je pense qu'on peut saluer cette équipe. Non mais en plus, franchement, vous avez peur des serpents? Non, franchement, j'ai vraiment peur. Moi, je me souviens d'une fois en Thaïlande où on a voulu m'en ramener un. J'étais terrifié. J'ai dit à la personne, j'en veux pas. Quoi. Eh ben, c'est ça, In The Boîte. On peut surmonter nos peurs pour marquer 500 points. Bien joué. Et vous, à la maison, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain cap ou pas cap.